Alors on a prévenu la direction d'établissement que des mineurs en fait étaient en danger, prévenu le diocèse, l'évêque, le rectorat, le CRIPF, et pourtant rien n'a été fait. Villebon-sur-Yvette, en Essonne. Dans cette petite ville de la région parisienne, le collège-lycée catholique Île-de-France accueille près de 800 élèves. La direction, en place depuis 2010, aurait imposé un management rigide, fermé à la discussion. Malgré les nombreuses alertes émanant de professeurs, d'élèves ou de surveillants, la direction semble rester sourde alors que des actes pédocriminels et des faits de harcèlement sont dénoncés au sein de l'établissement. Des enseignants et une ancienne élève de l'établissement témoignent. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi leurs alertes répétées n'ont pas trouvé d'écho auprès de la direction, ni auprès des instances cléricales, ni de celles de l'éducation nationale, prévenues de ces agissements depuis près de 2 ans? La nouvelle direction est arrivée vers 2010, et j'ai commencé à voir quelques changements, les anciens qui partaient, les anciens profs, les anciens surveillants. Le directeur poussait les personnes à quitter l'établissement. De tous ceux qui résistent à ce monsieur les prend en grippe et donc fait tout pour qu'ils quittent l'établissement. À partir du Covid, à peu près 10 personnes par an partaient. Donc ça fait plus de 30 personnes à ce jour qui ont quitté l'établissement sur un effectif d'à peu près 70 personnes. Le directeur recrute ensuite de nouvelles personnes, mais il leur fait bien comprendre dès le début qu'ils doivent être complètement acquis au directeur. Ceux qui lui rendent service, même s'ils sont problématiques, il fera tout pour étouffer les affaires, etc. En 2019, un nouveau surveillant est recruté. Rapidement, cet homme d'une trentaine d'années va prendre une place importante auprès de la direction. Cette personne faisait beaucoup d'heures supplémentaires, était présente à tous les événements de l'établissement. Le directeur avait quelqu'un qui était sous sa main et surtout qui allait dans son sens. Et il a commencé à avoir des petites interrogations sur sa manière d'agir avec les élèves. Il y avait plusieurs élèves qui sont allés voir des surveillants, qui sont allés voir des membres du personnel, et qui ont relaté quand même des faits tout à fait en décalage vis-à-vis de quelqu'un qui doit s'occuper d'enfants. Et toutes des filles, hein, et toutes des élèves aussi, du collège et du lycée, se sont plaintes qu'effectivement ce monsieur avait un comportement déviant vis-à-vis d'elles. C'était à caractère sexuel en fait. Hein. Ce monsieur ne serait-ce que les touchait, mais s'enfermait aussi dans le bureau des surveillants, surveillant avec ces jeunes en essayant de les isoler, les faisait changer de suite devant lui, avait aussi des gestes qui étaient très proches, les touchait au niveau du soutien-gorge, autour de la taille, s'était déplacé. Une des élèves, âgée de 14 ans au moment des faits, a accepté de nous rencontrer, accompagnée de sa mère. C'était des petits mots, t'es belle dans ton sweat aujourd'hui, des choses comme ça. Et après, il s'est mis à rigoler avec moi, à me prendre par les hanches. J'ai proposé de faire du sport avec lui en dehors des cours. Et plein de petites choses comme ça où il m'a touché la cuisse, etc. Et il m'a plaqué contre le mur à la sortie de cours quand je sortais de cours un mardi. Que ma classe, elle était partie. Il m'a pris par le bras, il s'est collé à moi et il m'a plaqué contre le mur. C'était pas forcément violent, c'était plus pour se coller à moi. Bah, c'était plus à caractère sexuel. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était vraiment pas normal et que j'avais peur en fait de le dire. Et que lui, il s'énerve contre moi et que du coup, tout se retourne contre moi et sans que je puisse rien faire. Choqué, cet élève et une autre collégienne décident d'alerter les adultes de l'établissement. En fait, les jeunes vont voir les surveillants, vont voir des enseignants et en fait, racontent ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles ont vu aussi sur leurs copines, parce qu'ils trouvent ça absolument dégueulasse que la direction n'agisse pas. Donc les CPE sont au courant et le font remonter à la direction, qui bien sûr du coup est au courant, quand bien même, semble-t-il, ça ne suffit pas. À ce moment, administratifs, professeurs et surveillants décident d'outrepasser la direction, dont ils jugent les réactions insuffisantes. Ils écrivent un mail à la protection de l'enfance, à l'évêque d'Evry et au recteur de l'académie de Versailles, car bien que privé, l'établissement reste placé sous le contrôle du rectorat. Ce mail mentionne des faits graves que les élèves leur ont fait remonter. Monsieur tiendrait les élèves par les hanches avec ses mains. Il les tiendrait aussi en dessous de la poitrine. Il chuchoterait dans leurs oreilles des compliments. Ses élèves seraient isolés dans son bureau, malgré leur demande de ne pas être seuls. Il mettrait parfois des coups de pression pour savoir de quoi les victimes ont parlé avec d'autres surveillantes. Certaines auraient subi des menaces verbales comme « Tu veux jouer, on va jouer ». Ce courrier est aussi adressé à une inspectrice du travail, car il est également question de faits d'harcèlement moral de la part du surveillant en question. Plusieurs surveillantes ont d'ailleurs porté plainte à ce sujet,
à la gendarmerie. La mère de cette adolescente décide alors d'informer la direction de l'établissement des agissements de ce surveillant. Elle et le père de l'élève obtiennent un rendez-vous avec le directeur de l'établissement en présence du surveillant en question. Lors de ce rendez-vous, on a énuméré tous les faits que nous avait expliqués. Il en a nié certains et avoué d'autres. Par précaution, et en accord avec le directeur et le surveillant, les parents décident d'enregistrer l'entretien. L'humanité a pu se procurer l'enregistrement. Ma fille a été plaquée contre un mur par vous. Vous reconnaissez ou pas ? Oui. D'accord. Ma fille a été... a subi une clé de bras par vous. Oui. D'accord. Alors elle a été interpellée par le fait que dans la cour de récréation, vous ayez crié... Là, pour le coup, il y a pas mal de témoins. T'es moche. Alors, pour moi, ça s'est pas fait comme ça, mais en effet, j'ai dû lui dire. D'accord. Nous avons contacté le surveillant concernant cet enregistrement. Il nie désormais avoir plaqué l'élève contre le mur, parle de la clé de bras dans un contexte de chamaillerie et explique qu'il s'agissait d'une plaisanterie lorsqu'il a dit à l'élève qu'elle était moche. On s'est rendu compte que l'établissement n'allait pas réagir, qu'il n'allait rien se passer, que le surveillant allait toujours rester en poste. On a décidé de porter plainte à la gendarmerie. Les policiers ont pris ça complètement à la légère. Pour eux, c'était plus, on va dire, une embrouille entre surveillants et enfants. Enfin, rien, quelque chose de bénin, pas important. Alors, on a su qu'il y avait des plaintes d'autres enfants. Malgré toutes les plaintes qui ont été déposées contre lui, il ne s'est rien passé. Il était toujours là, toujours en poste, et il était toujours dans les couloirs et croisait souvent. L'humanité a contacté le parquet d'Evry, qui nous indique qu'une enquête a été ouverte suite au signalement à la protection de l'enfance concernant les actes du surveillant. Celle-ci est classée sans suite quelques mois plus tard, le 27 décembre 2022. Les plaintes pour harcèlement moral sont également classées sans suite. La direction a été au courant de ce mail qui a été envoyé au CRIP. La direction a renversé le sens des machines, mettant même en cause les personnes qui avaient signé ce courrier, comme si c'était ces personnes-là qui avaient porté atteinte aux droits de ce surveillant. Il n'y a pas eu d'enquête vis-à-vis de ce monsieur qui a été menée au sein de cet établissement, mais à l'encontre du personnel qui avait signalé les faits au CRIP. Estimant être accusé à tort, le surveillant fait valoir son droit d'alerte au sein de l'établissement. Cela déclenche une enquête interne, ayant pour but de déterminer si le surveillant a subi du harcèlement de la part de ses collègues qui ont saisi la protection de l'enfance. Comme le veut la procédure, c'est la direction, conjointement avec un représentant du personnel, qui conduit l'enquête. Paradoxalement, aucune enquête interne n'est menée sur les agissements du surveillant envers les élèves. Ce monsieur a continué d'être surveillant. Il a été écarté pendant un temps, mis à un poste soi-disant plus au contact des élèves, mais au final, c'était vraiment pas le cas. Malgré les alertes, les plaintes et le signalement, rien n'ébranle ce surveillant qui reste au contact d'élèves dans l'établissement. Contacté par l'Humanité, le service communication de l'éducation nationale nous a indiqué que, conformément au code de l'éducation, une procédure pouvant amener à une suspension temporaire de fonction du surveillant aurait pu être initiée, dans le cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité. Autrement dit, une fois informé des faits, le rectorat aurait pu faire en sorte que le salarié, même présumé innocent, soit écarté de l'établissement. Nous avons contacté le rectorat de Versailles pour savoir si cette procédure avait été enclenchée, mais ils n'ont pas souhaité nous répondre. Contactés également, la direction et les autorités catholiques en charge de l'enseignement nous indiquent que suite au signalement à la protection de l'enfance, le salarié a été déplacé à un autre poste qui n'était pas au contact d'élèves. Ce qui est formellement démenti par de nombreuses personnes présentes au sein de l'établissement qui affirment que le surveillant travaillait toujours au contact de mineurs. En fait, à un moment donné, on est un peu perdu, on ne sait plus comment faire. Moi, j'avais dit à tu termines l'année et je te change d'établissement et basta, on n'en parle plus. Au bout d'un moment, si la police ne réagit pas, j'ai fait une déclaration au rectorat de Versailles, au diocèse d'Evry, à la crypte, j'ai appelé la cellule SOS harcèlement, je suis resté en ligne pendant 2 heures avec eux au téléphone, personne ne m'a jamais rappelé, recontacté, jamais. Tout est resté sans suite. Le 27 avril 2022, le rapport de l'enquête interne est publié. Le harcèlement dont le surveillant se disait victime n'est pas retenu. Le rapport conclut au besoin d'établir des procédés de communication simples et efficaces, afin d'éviter que se reproduise pareille situation. Le document mentionne cependant que le surveillant aurait eu des gestes déplacés envers 3 mineurs, sans pour autant y accorder de crédit. Pour la direction, la situation serait donc due à un malentendu qui a dégénéré, en témoigne cette phrase en gras dans le document. Les premiers contacts avec les familles ne semblaient pas conduire à une logique de plainte. Les familles parlaient au début d'affaires de gamines. L'établissement a connu des situations similaires
sans engendrer de pareilles crises. Pour moi, c'est pas une affaire de gamine. Ma fille va à l'école avec la boule au ventre, fait des crises d'angoisse. Et puis, elle n'est pas toute seule, elle n'est pas la seule concernée. Donc, à un moment donné, l'établissement doit réagir. Moins d'un mois après la conclusion de l'enquête interne, l'élève, âgé de 14 ans, tente de mettre fin à ses jours au sein de l'établissement. De le croiser dans chaque couloir, c'était une pression de malade. Et je suis arrivée à bout, j'en parlais à personne et je disais rien. Et j'ai fait une tentative de suicide. Et en cours d'histoire, je vais aux toilettes et j'avale une plaquette de 9 ou 10 antihistaminiques. De là à midi, j'ai un mal de ventre horrible, mon estomac horrible. Et les survivants viennent me voir, appellent maman et de là, je pars avec les pompiers vers 13h. Je suis restée 5 jours à l'hôpital. J'aurais pensé que le directeur de l'établissement m'aurait contacté, chose qu'il ne m'a jamais faite. Je sais pas, quand il se passe quelque chose comme ça, normalement on appelle les parents pour prendre des nouvelles de l'enfant, savoir comment elle se porte, si elle compte revenir dans l'établissement. C'est moi qui ai dû les appeler pour leur dire que j'allais déscolariser ma fille. Contacté par l'Humanité, le directeur indique que ce qui était nécessaire de faire pour cet élève l'a été, en relation avec la famille et les autorités compétentes. Cependant, la tentative de suicide de l'élève de 3e ne semble pas remettre en question la direction. Le 1er juillet, quelques semaines après cet acte grave, le directeur adresse un mail à tout le personnel de l'établissement, réaffirmant son soutien aux surveillants. Je tiens ici à lui redire ma confiance et saluer son courage d'avoir pu résister aux accusations et aux rumeurs dont il fut victime. Blanchi des plaintes dont il fut l'objet, je souhaite que cette page soit définitivement tournée. La direction fera preuve de la plus grande fermeté vis-à-vis d'adultes ou d'élèves qui participeraient de près ou de loin à alimenter des rumeurs. Le directeur y indique par ailleurs que le surveillant est réaffecté à son ancien poste. J'avais dit à il a été trop loin avec toi, mais un jour peut-être qu'il ira encore plus loin avec une autre enfant. Et c'est ce que j'avais dit à la police aussi, je leur avais dit, un jour cet homme va violer une gamine, il faut faire quelque chose. Début 2023, des faits d'une gravité supérieure sont reprochés au surveillant. Une dernière mineure aurait subi du harcèlement sexuel en décembre dernier de la part de ce monsieur. Et là, il semblerait qu'il soit allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la mère a découvert sur le téléphone portable de cette mineure une sorte de journal intime qu'elle tenait et où elle racontait tout ce qu'elle aurait subi, dont un viol. Clairement, il était stipulé que ce monsieur aurait mis la main là où il ne fallait pas. Du jour au lendemain, cet élève a changé de comportement. Cela a entraîné un conseil de discipline. La conclusion a été que cet élève a été mis à la porte. Outré par l'exclusion définitive de l'élève, sa mère décide d'envoyer un mail au CPE de l'école le 14 février 2023. Elle y joint les captures d'écran du portable de l'adolescente où des faits de viol sont mentionnés. Suite à ce mail, les CPE indiquent avoir fait un signalement aux autorités compétentes. La mère de l'adolescente a également porté plainte. Le parquet d'Evry nous confirme que depuis le 22 février 2023, une enquête a été ouverte à l'encontre du surveillant pour des chefs de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Suite à cela, la brigade des mineurs est venue sur place. Ce monsieur, en fait, a disparu des écrans au sein de l'établissement. Officiellement, ce monsieur, à l'heure actuelle, n'est pas exclu du personnel, non. Aucune communication n'a été effectuée de la part de la direction sur ces faits, même aux membres du personnel. Il a fallu, en fait, attendre près de plus de 2 années scolaires pour que ce monsieur soit mis à l'écart. Une mise à l'écart incertaine. Puisque le surveillant aurait été vu sur le site de l'établissement, qui par ailleurs est un internat, en avril dernier, alors que des ateliers musicaux avec des mineurs y étaient organisés. Je dirais qu'il y a le fait de fermer les yeux, mais il y a aussi le fait du pas de vague. Aussi bien dans la direction diocésaine que dans l'établissement, on ne fait pas de vague. Donc il vaut mieux étouffer quelque chose qu'on peut à peu près gérer, en ne faisant aucun signalement, en ne disant rien, et plutôt en mettant à la porte les personnes gênantes, voire même les élèves qui ont eu des problèmes avec ce monsieur, on préfère les mettre à la porte avec un conseil de discipline, comme ça l'affaire est réglée. Depuis mai 2023, le surveillant n'a plus été aperçu sur le site du collège-lycée Île-de-France. Malgré les alertes, les signalements, les plaintes, il aura fallu attendre 2 années scolaires entières pour qu'un surveillant mis en cause ne soit plus au contact de mineurs, alors que toutes les institutions en responsabilité avaient été alertées. Pour cette enquête, l'Humanité a contacté la direction, le rectorat, les autorités religieuses concernées, ainsi que le tribunal d'Evry pour savoir si le surveillant avait été mis à pied, mais ils ne nous ont pas répondu sur ce point. À ce stade,
La nature de son absence actuelle ne nous a pas été communiquée. Le rectorat de Versailles se refuse à tout commentaire. Le directeur de l'établissement réfute le terme de pédocriminalité et ne souhaite pas commenter l'enquête en cours pour les chefs de viol et d'agression sexuelle. Il n'a pas souhaité non plus nous répondre concernant son management. Il se défend de tout manquement concernant le surveillant, estimant avoir pris les mesures adéquates, notamment en le changeant temporairement de poste au sein de l'établissement. L'organisme de gestion de l'enseignement catholique déclare que c'est en concertation avec le directeur et les autres partenaires que les décisions ont été prises et mises en œuvre, à savoir un changement de poste, mais toujours au contact de mineurs et au sein du collège-lycée. Ils disent ne rien avoir à ajouter d'autre à la réponse du directeur. Contacté par l'Humanité, le surveillant, présumé innocent, rejette quant à lui catégoriquement les accusations de viol, d'harcèlement sexuel ou moral qui lui sont attribuées.